Une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer un petit truc ce soir, un truc pour paresseux, comment j'ai pu chez dorénavant les pommes de terre chez moi quand ça m'arrive. C'est rarement que ça m'arrive, mais là aujourd'hui, je me suis essayé. Donc j'ai commandé une machine chez Amazon, sans publicité, mais juste pour mes amis qui veulent se soulager de la peine d'éplucher les pommes de terre, les oranges, pas les oranges quand même, mais les kiwis, les poires, les macabo, pourquoi pas, les ignames peut-être aussi, on peut essayer. Donc j'essaye ça avec vous, j'ai déjà utilisé aujourd'hui, ça m'a vraiment impressionné. Et je vais essayer de vous faire la démonstration de comment ça fonctionne pour ceux qui seront intéressés à faire dans la paresse comme moi. Donc je prends ma pomme de terre là, je vais juste couper les deux têtes. Je vais couper les deux têtes pour ne pas avoir à souffrir après à les éplucher. Et puis je coupe les deux têtes. Une fois que j'ai coupé les deux têtes, j'ai ma pomme de terre là. Je vais la mettre sur la machine en question. Là, voici. Je vais l'agrandir après pour que tu puisses la voir. Donc, je pose ma pomme de terre sur le support là qui est prévu. J'enfourche et je pique le dessus. Comme ça. Et puis, j'ai une petite lame automatique qui va éplucher ma pomme de terre automatiquement. Je peux monter encore un peu pour que. Voilà. Faut que la lame monte un peu plus. Et puis, c'est tout. Il y a un bouton rouge que je vais te montrer après, sur lequel j'appuie, et la pomme de terre va s'éplucher automatiquement. Allez, c'est parti! Voilà, la pomme de terre est épluchée en quelques secondes sans que je ne me donne beaucoup de mal. Voilà les pots dont j'avais coupé les deux têtes. Hein. Voilà les deux têtes que j'avais coupées pour ne pas, parce que la lame n'arrive pas au bout hein, de la tête. Et puis j'ai épluché ma pomme en quelques minutes. Ça, c'est pour monsieur, hein, monsieur qui trouve ça pénible d'éplucher les pommes de terre quand il doit se faire à manger. Il n'y a plus qu'à soulever comme ça et enlever ma pomme de terre. Et tu peux voir s'il y a des petites imperfections, tu peux les corriger toi-même avec ton couteau. Et tu as ta pomme de terre qui est bien épluchée là. Tu as fait de 98% du travail à mon avis. Le reste, c'est vite fait. Dans la machine, pour que tu la vois, elle n'est pas vraiment très très compliquée. Dans la pomme, s'en fiche ici. Et puis il y a la pointe ici que tu vas emboîter au-dessus. Et dès que c'est fait, tu appuies sur ce bouton rouge. Je vais te monter ici. Ce bouton rouge. Et quand tu appuies sur le bouton rouge, le travail est parti. Ça marche à courant. Hein? Ça marche à courant. Il y a. La prise du secteur ici. Mais si tu n'as pas de courant, c'est aussi prévu que ça prenne des piles. Donc il y a aussi une boîte à piles en bas. Je te montre. Pour ceux qui n'ont pas de courant dans leur village, ils peuvent mettre des piles pour utiliser cette machine. Très simple, pas très cher. Hein. Ça coûte moins de 20 dollars chez Amazon si je ne m'abuse. Donc je ne connais plus le prix par cœur. Je ne suis pas là de l'agent publicitaire, mais je veux juste mes amis hommes qui se trouvent obligés. Et de faire la cuisine parfois. Et si tu as un couteau de réserve, qu'on t'envoie la lame de réserve, ça c'est la lame qui épluche, le petit truc rouge là. Il t'envoie, je crois, une de réserve ici en bas que tu pourras utiliser quand celle-là sera plus tranchant. Tu as deux là qu'on te donne en réserve ici en bas. Donc, tu vois, il y a deux là-dedans. C'est tout. Donc, voilà. C'est un petit bijou qui permet de faire tes pommes de terre rapidement, facilement, sur un clic. Sans avoir à souffrir. Je voulais te partager ça pour l'expérience. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Bye bye.